Vous allez prendre la tête de la CGT le 22 mars. Quelles seront vos priorités ? En fait, les priorités de la CGT vont être définies au moment de notre congrès. Je pense que nous allons articuler nos travaux à partir de trois mots-clés qui sont aujourd'hui essentiels. Le premier mot-clé, c'est la volonté d'avoir une CGT accessible à l'ensemble des salariés, qu'ils soient dans des petites entreprises ou dans des grands groupes industriels, avec des salariés du public et des salariés du privé. Le deuxième mot-clé, c'est d'avoir une CGT utile, une CGT qui est capable de dire ce qu'elle apporte concrètement au quotidien auprès des salariés. On voit souvent une CGT qui conteste. Tout le monde nous reconnaît cette potentialité que nous avons de rassembler pour nous opposer. Personne ne sait que tous les jours, dans les entreprises, nous permettons des avancées sociales importantes pour les salariés. Et puis enfin, le troisième mot, c'est solidaire. Nous croyons beaucoup, nous, en la solidarité dans le monde du travail. Pas une solidarité seulement affective, une solidarité concrète pour que les salariés puissent se rassembler, définir ensemble leurs revendications et essayer de les faire aboutir le plus collectivement possible. On a aujourd'hui des expériences dans plusieurs bassins d'emploi dans notre pays, on en compte presque une cinquantaine, où nous avons réussi à rassembler sur un syndicat de site l'ensemble des salariés qui aujourd'hui travaillent. Alors on rassemble par exemple sur le site de Flamanville, on rassemble à la fois les salariés d'EDF-GDF, qui est entreprise de l'ordre d'ordre, on rassemble les salariés de Bouygues, qui est l'entreprise sous-traitante qui construit l'ensemble des bâtiments, mais aussi tous les salariés des TPE, des PME qui viennent apporter leur expérience à la réussite de ce grand chantier. Et donc notre volonté à nous, c'est de dépasser sur un site industriel les clivages particuliers, non pas pour les oublier, mais pour faire en sorte qu'on puisse travailler en commun à un intérêt commun.